Masse sanitaire. Il y a quatre maladies qui attaquent fréquemment la pintade. Donc, nous allons parler des quatre maladies qui attaquent généralement la pintade. Je n'ai pas dit que c'est quatre maladies seulement qui attaquent la pintade, mais ce sont les plus fréquents que je vais vous partager. La première maladie, c'est quoi? C'est la parasitose. Ce sont des parasites internes qui attaquent le système digestif de la pintade. Donc, il faut déparasiter les pintades chaque 30 jours. C'est-à-dire, chaque mois, il faut déparasiter les pintades pour les garder en bonne santé, pour les prévenir de la parasitose. Et ensuite, il y a la coccidiose aussi qui attaque les pintades, mais lui, il attaque les pintados. C'est-à-dire, les pintades de moins de 2 mois, ce sont eux qui sont plus attaqués par la coccidiose. Donc, il faut donner un anticoccidien chaque 14 jours pour les prévenir de la coccidiose. En plus, il y a le coryza qui attaque aussi les pintades. Et ça, c'est une maladie qui se manifeste par le gonflement des yeux. Donc, il faut faire un traitement après observation de signes de maladie. La quatrième maladie, c'est la bronchite simple. Il s'agit d'une maladie qui attaque le système respiratoire de la pintade. Vous allez voir que vos pintades ont des difficultés à respirer. Donc, ils font du bruit en respirant. Donc, c'est cette maladie-là. Donc, il faut faire un traitement après observation des signes. Et je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à ce moment. Merci beaucoup. Et je vous demande encore une fois de plus, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Le bonus, c'est quoi? Vous-même, vous savez que l'élevage en Afrique ici, on utilise les produits vétérinaires pour réussir dans l'élevage des pintades. Mais le problème, c'est quoi? Les produits vétérinaires sont très chers. Donc, nous avons pensé à vous aider avec une prophylaxie sanitaire à base de plantes. C'est-à-dire, nous allons rentrer dans la nature, chercher des plantes pour prévenir et traiter les maladies que nous rencontrons dans notre élevage. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous demander de contacter les numéros suivants. Et il y a le numéro plus 226 0266 4508. Et pour réserver votre place, c'est une formation sur l'élevage biologique, l'élevage à base des plantes. Merci de vous et de nous contacter pour plus d'informations. Nous avons aussi créé un groupe WhatsApp pour vos préoccupations. Vous pouvez nous poser des questions sur l'élevage en général de volailles. Donc, si vous êtes intéressé, et cliquez le lien dans la barre de description pour intégrer le groupe. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'élevage des pintades, comment démarrer avec 15 000 francs, dites en commentaire yes et je vais faire une vidéo pour vous. Merci. Nous avons aussi des poussins de très bonne qualité pour vous accompagner dans vos projets d'élevage. Donc, si vous voulez aussi des poussins, vous pouvez nous contacter et plus 226 0266 4508 pour commander vos poussins de très